toi. Vous avez dit le client? Oui. Alors, qui va montrer ici l'hypoténuse? Manger. Toi, Moussa. C'est l'hypoténuse, c'est A ici. Ta place, s'il te plaît. Qui est-il à ta place? C'est l'hypoténuse, ça. Qui d'autre? Manger. Qui d'autre? Manger, laissez-moi. Toi, oui. Bien. Montre-moi l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est ici. A, B. Eh, voyou, à ta place. Moi, monsieur. Toi. L'hypoténuse, c'est B, C. L'hypoténuse, c'est B, C. Il fallait répondre là. L'hypoténuse, c'est B, C. Et c'est ça qui montre que vous ne travaillez pas à la maison. Voilà. Donc, qui peut menacer le terrain de Pythagore? Manger. Non, tu peux rester là-bas, réponds là-bas. Assez. Plante-toi. Qui d'autre? Manger. Monsieur, le théorème du Pythagore dit que l'hypoténuse du carré est égale à la somme des carrés de deux autres côtés. La somme des La somme des carrés de deux autres côtés. Oui, monsieur. Bonne réponse. Amadou, assois-toi. Voilà. Voilà, il dit l'hypoténuse. L'hypoténuse, on sait que c'est B. C'est. Au carré est égal à la somme des deux autres. La somme des carrés des autres côté. Voilà. On a B, A. Au AB, c'est la même chose. BA au carré plus AC au carré. Au carré. En remplaçant les lettres par lettres par lettres, on aura ici BC. C'est 5 centimètres au carré est égal à BA. BA c'est combien? 3 centimètres au carré. Voilà. 3 centimètres au carré plus AC. AC qui est 4 centimètres. Voilà. Après ici 5 centimètres. Maintenant, 5 centimètres au carré est égal à combien? Égal à 5 fois 5. 5 fois 5 est égal à 25. Et centimètres? Au carré. Voilà. On aura 25 centimètres au carré. Voilà. Et égal à combien? Égal à 3 centimètres. 3 centimètres est égal à combien au carré? 9 centimètres au carré. Plus 16 centimètres. Mais c'est 16, c'est 4 fois 4. 16. Merci, mes élèves. 16 centimètres au carré. Alors faisons la somme de ça pour voir ce qu'on a énoncé au niveau du théorème. Voilà. On a quoi? 25 centimètres carrés est égal à 9 plus 16 est égal à combien? 25. Voilà. 25 centimètres. Donc, ce qu'il fallait écrire sur l'exercice que je vous ai donné. Voilà. Donc, le résultat final, c'était ça. Il fallait trouver encore ça. Maintenant, si vous avez besoin de votre interrogation, ceux qui ont travaillé, ils vont récolter. Ceux qui n'ont pas travaillé, ah, ça va mal tourner. Ça, je le dis. Ami Keta, il a une F sur 20. Mori Gane, il a eu 4 sur 20. Ça, c'est pas un poison.
Ousmane Doumbouya. Présent. Il a eu 7 sur 20. Et encore. Ami. Ami a eu 8. Ami a eu 8 sur 20. Qui encore? Ouli. Présent, monsieur. Ouli a eu 10 sur 20. Ah voilà, Keta, c'est toi? Ah, je suis estimé, mais tu as un peu travaillé. Hein. T'as eu 13. Bravo. Maintenant, quels sont ceux-là qui n'ont pas eu les F? Moi, monsieur. Voilà. C'est les quatre là. C'est quel nom toi? Ton nom c'est Moussa. Moussa. Moussa, tu as travaillé toi aussi, tu as un peu travaillé. Et tu as eu 14 sur 20. Et encore, voilà, Fatimatou. Présente. Voilà, Bassine dit que je sous-estimais. Quand même, elle a eu 16 sur 20. Merci. Tu as travaillé toi aussi. Voilà. Maintenant, ça reste combien qui n'ont pas eu leur fait. Voilà, ce sont les deux là. Avant de commencer d'abord, je demanderai que d'applaudir pour ceci. Et voici Habibatou. Elle a 17,50. Quand je demande qu'on applaudit encore. Merci. Merci. Très bien. T'encourage. Et enfin, voici un homme que je vais qualifier de meilleur parmi vous tous. Il s'agit de Amadou, il a eu 19 sur 20. Voilà, je t'encourage très fort. Maintenant, puisque il est presque l'heure, je vais vous libérer. Demain, on aura affaire. Voilà, à demain matin. Je vous attends. Surtout, révisez. D'accord.